Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout à l'heure, le téléphone sera ouvert. Je sais que vous avez des choses à dire sur la billetterie. Les numéros sont le 27 22 54 80 98 50 et le 27 22 54 98 51. Mais au-delà de ça, évidemment, nous allons apprécier, décrypter la merveilleuse cérémonie d'ouverture de la plus belle canne de l'histoire africaine jamais racontée, jamais organisée. Encore une fois, bonsoir. Notre plateau est prêt. Daouda, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Herman. Bonsoir, Christophe. Isabelle, bienvenue. Bonsoir. Alain Toussaint, bonsoir. On est prêt, on démarre maintenant. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous d'être avec vous, madame, monsieur, surtout dans cet environnement Cannes. André Bois ne sera pas là aujourd'hui. Vous le retrouverez assurément vendredi et la semaine prochaine. Mais en tout cas, sachez qu'il vous envoie plein de bisous. Messieurs, dames, notre Cannes a démarré, la plus belle Cannes de l'histoire, la Cannes de l'hospitalité. Essayons donc de regarder, d'apprécier, d'analyser tout ce qui s'est passé. La cérémonie d'ouverture, les artistes, les éléphants. On commencera avec vous, Daouda. Que pensez-vous de cette cérémonie d'ouverture de Georges Momboy, préparée par Georges Momboy? Quand vous commencez avec moi, vous savez que, bien évidemment, je vais vous le dire clairement, que ça a été la cérémonie d'ouverture la plus classe, de classe mondiale, jamais organisée dans toute l'Afrique. Quand vous regardez cette fresque qui nous a été donnée de voir durant la cérémonie d'ouverture, mais c'était phénoménal, ça donnait même la chair de poule. Ce qui m'a d'autant plus fait plaisir, c'est de voir toute la culture ivoirienne rassemblée sur une même fresque. Notamment, on a vu le Zaouli, on a vu le Goli, on a vu les danses et les masques Yakuba. Il y a même un pan qui a été fait à la musique, à la culture sud-africaine et même à la culture malienne. Suivez mon regard, c'était vraiment très beau. Et j'ai vraiment adoré ce moment-là. Et surtout, au moment où l'hymne de la canne a été entonnée, lorsque la Coupe d'Afrique sortait des terres et que les feux d'artifice sont sortis de l'air, franchement, ça a donné la chair. Daouda, la canne vous rend poète, très cher. Mais franchement, c'est la plus belle canne, virgule, jamais organisée. C'est un fait, même si tout est perfectible. Et on va en parler tout à l'heure. Isabelle Vauvor, quel est votre point? Nous avons eu des artistes, il y a eu cette prestation de José, on peut en parler, de Dadju, et de l'autre. Ensuite, il y a eu tous les invités, on avait souvent des gros plans dans le stade. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette cérémonie d'ouverture? C'était une très, très belle cérémonie d'ouverture de la Cannes. J'ai envie de dire qu'on était ce jour-là fiers d'être africains, fiers d'être en tout cas ivoirienne également. C'était un mélange, un brassage donc, de la tradition, mais aussi, Daouda l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi de la modernité. On a vu donc le pont Alassane Ouattara et pas mal d'autres œuvres. Il fallait que ce pont sorte. Bon, oui, parce que c'est le tout dernier, en tout cas, en date, bijou, qui fait vraiment le bijou architectural, en tout cas, qui fait mouche en ce moment. Et pour cause, il est à chaque fois qu'il y a une journée fériée, on la met donc à la disposition du public pour qu'il puisse aller visiter. Donc, c'est une cérémonie haute en couleurs. Et j'ai envie de dire aussi que tout le monde, tous les acteurs à la fois politiques et autres ont appelé à une mobilisation totale donc, pour cette cérémonie d'ouverture. On a vu, Jean-Louis Billon était présent à la cérémonie, Pascal Affine-Guessant était présent à la cérémonie. Vraiment, c'était toute la Côte d'Ivoire qui avait répondu présent à cette cérémonie d'ouverture. J'ai vraiment apprécié en tout cas la prestation de José. Pour moi, c'était un zéro faute de sa tenue. Sa voix, sa prestance, le tout, en tout cas, ça donnait la chair de poule, vraiment. Et le message de ses paroles, en fait, de la chanson qu'elle prestait, c'était vraiment la gestion corporelle, exactement. La gestion de son corps. En fait, c'était un tout. Et j'ai envie de féliciter, en tout cas, les organisateurs, notamment le COCAN, parce qu'on sait, en tout cas, qu'organiser une telle cérémonie d'un tel niveau, ce n'est pas forcément chose aisée, mais ils ont tenu la barre, ils ont réussi en tout cas le pari et c'est chapeau bas pour eux. Ensuite, j'ai envie de terminer avec cette note qui a vraiment fait le clou du spectacle, la victoire des éléphants. Voilà, 2-0 contre la Guinée et ça a vraiment été... On en parlera tout à l'heure. Alain Toussaint, évidemment, tout le monde attendait l'arrivée du PR. Il est arrivé en fanfare.
Il a donné donc, il a pris une prise de parole, après s'en est suivi les autorités de la CAF et de la FIFA. Alors, pour vous, la présence symbolique du PR à cette cérémonie, est-ce que vous pensez qu'il est reparti satisfait? Est-ce qu'il n'y avait pas de choses qui pouvaient peut-être l'attrister? Selon vous, tout était parfait pour lui? Non, je pense que déjà, cette manifestation revêtait une importance stratégique pour la Côte d'Ivoire, qui du coup est placée sur la carte du monde. Exactement. Vous imaginez, et le président de la FIFA l'a dit. C'est ça, est retransmise dans 180 pays, donc quasiment en mondovision. Et c'était aussi une occasion, comme on dit, d'apparaître pour le président qui a fait le tour du stade un peu à l'ancienne, hein, comme vous faites lors des finales de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. En tenue du Cocan, le fameux pagne du Cocan. Et c'était très important. Ça a été également l'occasion d'affirmer l'appartenance à un pays, à une nation. Et Isabelle l'a dit, au-delà, comme on dit, des clivages politiques. Effectivement, j'en ai rencontré un certain nombre d'hommes politiques au stade et qui étaient tous là à l'unisson, chacun dans son maillot de la Côte d'Ivoire, d'autres en survêtement aux couleurs de l'équipe nationale. C'était un moment très important de communion. Oui. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre signé par le président de la République qui a débloqué, mis les moyens qu'il faut à la disposition du comité d'organisation qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être à la hauteur, d'abord du point de vue des infrastructures, les routes, les stades évidemment, et puis la passion collective partagée par les Ivoiriens, même si cela s'est avéré aussi parfois un peu douloureux pour un certain nombre de nos compatriotes, on en parlera peut-être dans le courant de l'émission. Mais rapidement Alain, ce genre de cérémonie où on a près de plus de 100 pays connectés, c'est important pour l'honneur d'un président et pour l'honneur d'un pays? Mais bien entendu, c'est une question d'image. Aujourd'hui, on parle de la diplomatie du sport, de la diplomatie du football. Regardez le Qatar, tout petit pays, qui a été le centre du monde pendant 4 semaines et demie lors de la dernière Coupe du Monde. Et c'est important aujourd'hui. Un pays comme la France, par exemple, s'est doté il y a quelques années d'un ambassadeur du sport, dont le rôle est de promouvoir les grands événements sportifs de la France. Et j'espère qu'au sortir de cette CAN, la Côte d'Ivoire aussi choisira une grande figure du football ou un grand homme politique pour porter tous nos projets. Parce que tous ces stades-là, il va bien falloir les vivre. On a parlé de l'héritage. Sans doute que demain, à force de diplomatie, on aura une affiche Barça Real de Madrid. Pourquoi pas délocaliser ici? Évidemment, puisque la finale, ces équipes ont l'habitude de jouer en Asie ou parfois aux États-Unis. Une tournée du PSG ou du, en fait, du Real, que j'aime bien, ou même du FC Barcelone, etc. Donc je pense que c'est un nouveau départ. Juste un mot, il y a quelques années, le président avait créé un ministère qui avait une dénomination assez significative qui s'appelait ministère de l'économie sportive. Oui, je pense que tout était résumé là, dans une sorte de vision qu'il faut maintenant implémenter. Et pour moi, la CAN est un nouveau départ pour promouvoir la pratique sportive, pour faire du sport une vraie industrie. Merci beaucoup Alain. Herman Aboua, la cérémonie d'ouverture vous a-t-elle laissé sans voix? Est-ce que vous avez des éléments qui vous ont marqué? Des moments forts mis en lumière et en articulation par Georges Momboy? Oui, bon, moi je n'ai pas eu le privilège d'être dans le stade. J'ai suivi de mon poste téléviseur depuis la maison. Oui. Donc le spectacle tel que voulu par la réalisation de cet événement-là. Moi, j'avoue que c'était une belle fresque, je ne vais pas revenir là-dessus. Surtout lorsqu'on a vu tout le drapeau, les tricolores ivoiriens avec la coupe montée, avec tous les pays et la carte d'Afrique qui a été improvisée, je trouvais que c'était intéressant. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout le discours du président. C'est vrai qu'on n'a pas passé un discours concis, succinct. Quels sont les points bien qu'on précis, light? Il a surtout relevé que la Côte d'Ivoire accueille tout le monde. Il a même mis très à l'aise après Motsepe et puis Infantino qui ont carrément dit que c'est deux pays en même temps. Ça fait se ressortir un peu la grande hospitalité ivoirienne. On a vu que tout était bien parti. Bon, la seule force note, peut-être qu'on reviendra là-dessus, on a vu quand même des sièges qui étaient vides à eu cette cérémonie d'ouverture. C'est le match qui vous a enlevé votre voix. Oui, bien sûr, quand les Ivoiriens, les éléphants sont en train de faire une belle prestation, même si on va en parler. Il faut doser parce que ça ne fait que commencer. Oui, mais bon, on espère qu'on pourra doser. Très bien. Mais c'est souvent difficile. Le football, c'est passionnant. Donc, c'est pour dire que, bon, en tout cas, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit. C'est vraiment une cérémonie qui nous a vraiment mis là où il fallait. On a vu même qu'après ça, tous ceux qui sont revenus, qui ont fait des publications après sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, ils ont bien parlé, bien relayé cet événement. Et surtout,
Vous avez vu, j'ai vu les masques qui étaient... Là, on en parlait tout à l'heure. Les masques et autres qui étaient vraiment représentatifs de chacune de nos régions. Très bien, merci beaucoup. C'était une belle fête. Merci beaucoup, Herman. Alors, Daouda, on va éteindre et puis parler de la victoire, parce que vous savez qu'on a le gros dossier billetterie à gérer. Alors, au niveau de la victoire des éléphants pour cette première sortie 2-0, quand on sait que certaines grandes nations du foot ont quelque peu piétiné, aujourd'hui, on a même le Cameroun qui a fait, nos amis, la belle famille, comme on les appelle, qui a fait 1-1 avec la Guinée-Conakry. Que pensez-vous de cette victoire des éléphants? Certains disent qu'il n'y a pas la manière, ce n'était pas beau. Mais est-ce qu'à ce point précis, on attend la beauté, on attend le résultat plutôt? Qu'en pensez-vous, Daouda? Moi, pour me concernant, je veux ramener les Ivoiriens à la dernière CAN que nous avons remportée. 2015. Lorsque Yaya Touré, ses camarades, Yaya était capitaine avec ses camarades. Les matchs ont été joués match après match. Au début, si vous avez bien suivi, on gagnait 1-0, 2-1. C'était très difficile. On critiquait. On critiquait même cette équipe. Il a fallu qu'on commence à passer les huitièmes et les quarts pour que les Ivoiriens commencent à faire bloc pour cette équipe-là. Moi, dans ma posture aujourd'hui, quand on gagne 5-0, quand on gagne avec la manière, quand on joue comme le Real ou le Barça, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de gagner. Même s'ils ont joué ce match avec la Guinée équatoriale, que le match a été saccadé, on a été dominé, le plus important, c'est les 3 points qui ont été ramenés à la maison. C'est ça qui est le plus important pour moi. Le reste, ce n'est que de la fioriture pour moi. Parce que tu aies joué le football champagne, comme on aime si bien le dire, si tu n'as pas gagné, ben, tu es le perdant. Les résultats diront que tu n'as pas gagné. Isabelle Vovo, réaction sur les buts. Bah, effectivement, le football, il est passionnant. Enfin, réaction sur les buts, j'ai envie de dire, je suis contente parce qu'on a gagné 2-0. On a ramené 3 points à la maison, donc c'est le plus important pour nous à ce stade. Moi, j'aimerais vraiment revenir sur l'importance même de cette organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'en 1984, c'était le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, qui l'avait organisé pour la première fois. Aujourd'hui, avec tous les chantiers que le président Alassane Ouattara a entamés, il vient donc parachever son œuvre, en fait, qui fait depuis le début, à repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Et avec cette organisation de la CAN, on vient donc le positionner, réaffirmer en tout cas notre position de leader, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais au niveau mondial en fait. Donc je pense que c'est un très bon point. Et aussi, vous savez, Nelson Mandela, l'importance en fait que le foot avait, en tout cas le rugby avait pour lui, pour rassembler les peuples, pour fédérer tout le monde et vraiment pour unir en termes de cohésion sociale, etc. C'est sur ce foot, en tout cas, qui s'est appuyé pour pouvoir fédérer tout le monde. Et je pense aussi que ça va nous permettre de pouvoir nous unir au niveau de la Côte d'Ivoire. D'éteindre certaines passions. Exactement, certaines passions et vraiment aller de l'avant. Très bien. Alors, Herman, essayons d'analyser un peu le jeu. Hein. Sur la prestation des éléphants, bon, moi, j'ai bien aimé Jérémy Boga, sa prestation, et Seko qui a confirmé. Oui. Et moi, j'ai vu plutôt une bonne équipe. On a joué en fonction de l'adversaire. Est-ce qu'on a eu un groupe? On a eu un groupe. Aujourd'hui, cette fois-ci, qui poussait devant. On a vu un groupe qui était bien animé avec le milieu de terrain, l'attaque, tout ça. Moi, je pense qu'au-delà de cela, quand on regarde après la suite des rencontres, il y a eu quand même des grandes surprises. Donc, ces surprises-là peuvent nous indiquer clairement que les Ivoiriens n'ont pas forcément mal joué. C'est le niveau de la compétition aujourd'hui. Toutes les équipes se valent. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on était en face d'une petite équipe. C'était aussi une grosse équipe qui a fait ses efforts. Quand on regarde, par exemple, Égypte-Mozambique, qui s'est soldé par un match nul 2-2, et on a vu comment est-ce que l'Égypte a souffert face au Mozambique. Il a fallu ce penalty de Mo Salah dans les dernières minutes, dans les arrêts, les minutes ajoutées, pour que ça puisse. Il y a Nigeria, Guinée équatoriale, 1-1. Et donc, Guinée, même Cameroun qui vient de se terminer, 1-1. C'est pour dire que le Ghana qui perd son match, c'est pour dire que le niveau était là. La Côte d'Ivoire a joué pour prendre ses 3 points, comme Isabelle a dit. On va avancer le jeudi, on va assurer encore face au Nigeria, nos beaux-parents, et puis on avance. Alain Toussaint, dans ce jeu des éléphants, est-ce qu'on a eu un groupe? Tout à l'heure, Herman disait oui, mais Daouda dit non, on n'a pas eu de groupe. Daouda, il dit qu'on n'est rien forcément au football. Herman a arrêté. Il y a eu peut-être des... Est-ce qu'il y a eu des individualités? Vous avez senti le groupe? Et parlons un peu de notre gardien de but. Est-ce qu'il rassure? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui, comme Guaméné allait à l'époque, vraiment rassurait la garde arrière? Bon, déjà, je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche.
L'essentiel, c'était déjà d'emporter ou de remporter les 3 points du match. Maintenant, on sait qu'il y a 6 autres matchs à faire. Et pour remporter la Coupe, il faudra sans doute relever le niveau de jeu. C'est ça. Moi, j'ai observé, je ne suis pas un spécialiste, ça se sait d'ailleurs, relever qu'il n'y avait pas un système de jeu que j'ai pu observer. Quand vous voyez le Brésil, l'Allemagne ou l'équipe de France jouer, on voit un peu la manière dont ces équipes-là jouent. Alors, la Côte d'Ivoire, on a certes des individualités, mais il manque un lien entre les différents acteurs qui sont sur le terrain. Certes, il y a des individualités. Il y a Seko Fofana, Jérémy Boga, j'ai dit les noms comme ça au hasard, je les ai vus. Voilà. Et puis le gardien qui, à 2 ou 3 reprises, a sauvé quand même l'équipe. Oui, effectivement, c'est on une équipe. On peut avoir quelqu'un comme Copa Barry, Guaméni Alain, par forcément, gardien. Mais c'est une équipe en devenir. Ce n'est pas une individualité qui fait une équipe. Ce sont des individualités. Il y a des joueurs qui font partie d'une équipe. Et le but, c'est de remporter chacun des 6 matchs qui arrivent. Que le jeu soit cousu ou décousu. Peu importe. Oui, il faut quand même un peu la manière, excusez-moi. C'est vrai, quand le Brésil gagne en 70, on a un grand Pelé avec des grands joueurs. Quand l'équipe de France gagne en 98, j'ai vu cette finale, il y avait quand même un grand Zidane avec les Thierry Henry, avec d'autres joueurs qui avaient quand même du talent. Et puis un grand gardien, et Fabien Barthez, etc. Exactement, ouais. Donc je pense qu'il faut reconstruire, redynamiser, redonner de la force et de la vigueur à notre équipe si nous voulons aller jusqu'en finale et remporter la CAN. Daouda, vous disiez, enfin, vous montriez un mécontentement ou bien vous ne partagez pas le point de vue d'Herman quand il disait oui, on avait un groupe. Vous dites non. Je pense qu'il a une connaissance parcellaire en tant qu'expert du football. Je ne suis pas un expert du football. Allons, faisons les voilà. Parce que je pense que pour quiconque a regardé le match des éléphants que nous avons suivi, vous le disiez, le plus important, c'est de ramener les 3 points. C'est ça. Mais la Côte d'Ivoire a joué sans véritable fond de jeu. Le jeu était saccadé à tout moment. Dès que Seko Fofana a marqué le but, la première mi-temps a été... On avait une équipe équato-guinéenne en face de nous qui nous dominait, qui nous maîtrisait. Il a fallu, comme vous l'avez si bien dit, 2 individualités pour nous sortir d'affaires. Mais regardez, pour ceux qui ont suivi le match... du Ghana contre le Cap Vert. C'est Guinée-Bissau, non, on a joué. On a joué Guinée-Bissau, merci. Guinée-Bissau, merci. Guinée-Bissau. Mais Ghana, Cap Vert, oui. Mais comment est-ce qu'ils gagnent quand vous regardez le jeu des Cap-Verdiens? Mais ils sont soudés, c'est une équipe soudée qui joue corps et âme, comme en fait un seul homme. Pourtant, nous, on joue seul à gauche et à droite. Et finalement... Et vous pensez que si on a une équipe assez tenace, ça va être chaud parce que si on a une équipe... comme le Cameroun, qui sont de véritables compétiteurs, même s'ils ont fait 1-1, mais au deuxième tour, on est face à une équipe comme le Cameroun, comme le Sénégal, je vous assure que ça sera très difficile. Peut-être que le 12e homme, qui sont les Ivoiriens, ça va compter, mais sérieusement, si on continue à jouer comme ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver quelque part. Ils ont gagné, mais sans rassurer. Sans rassurer. Herman Aboua, ce que Daouda a dit, est-ce que le match du Nigeria, face au Nigeria, le jeudi prochain... on peut avoir des frayeurs. Oui, mais on peut avoir des frayeurs. Mais c'est ce que je veux dire, que les Ivoiriens, ils sont partis. Quand j'ai vu l'ambiance même dans les vestiaires, la consigne donnée par leur aîné, on peut dire, Mas Gradel, oui. Aujourd'hui, on va gagner, les Ivoiriens sont là pour nous, on doit gagner. Ils sont partis, ne faisons pas comme si les Ivoiriens ont eu une piètre prestation. Ils ont joué, on voulait qu'ils fassent mieux, mais mieux, c'était mieux qu'avant. Avant, on vient de loin et quand on regarde le match, la rencontre d'avant-hier, c'est vrai qu'on attend beaucoup de cette équipe-là, mais comme on le dit, cette équipe-là, ces enfants-là, ils viennent de loin, sont en train de se construire et je suis convaincu qu'au fur et à mesure, ils vont mieux faire. Le mot est lâché, ils sont en train de se construire et c'est pour cette raison justement que je te dis que... On ne va pas faire un débat là-dessus. Non, je ne débat pas, là c'est juste une information que je donne. Tu as dit ils sont en train de se construire, ça veut dire qu'en réalité, actuellement... Ce n'est pas encore une équipe. Il y a des individualités. L'équipe est en train de se mettre en place. Mais là, on a plus le temps. Mais on est déjà dedans. Donc, on est déjà dedans. C'est de faire en sorte que cette équipe-là, il y ait l'esprit de collaboration jusqu'au bout. Observons un peu certaines, je ne dirais pas des débâcles, mais certaines surprises. Quand on voit que le Ghana perd face au Cap-Vert, on voit que le Nigeria est tenu en échec par la Guinée équatoriale, l'Égypte et le Mozambique font 2-2, et on en parlait. Le but égyptien qui leur donne la parité, ce pénalty-là est quelque peu discutable. Est-ce que nous sommes surpris? Et le Cameroun qui fait 1-1, est-ce que nous sommes surpris de ces résultats-là? Non, moi... On va commencer par Alain. Non, en fait, s'agissant du Ghana, j'observe que depuis 3-4 CAN, ce n'est plus la grande équipe du Ghana.
depuis que ce pays a organisé, je crois, la CAN en 2018, on n'a plus vu une grande équipe du Ghana, celle qu'on appelle les Black Stars du Ghana. Il y a, c'est vrai, quelques individualités, mais là aussi, il manque un vrai leader dans l'équipe. Et le fils Abedi Pelé, je pense qu'il est en fin de cycle. Il faudrait peut-être songer à le remplacer. S'agissant de l'Égypte, la difficulté, c'est aussi d'avoir, comme on dit, des vétérans dans une équipe nationale. Ils ont la particularité de connaître le continent africain parce que la quasi-totalité de l'équipe, des joueurs de l'équipe, évoluent sur le continent, notamment dans le championnat égyptien. Donc, ils connaissent un peu aussi à la fois les problèmes climatiques, les problèmes de technique, etc. Mais je pense que l'équipe égyptienne m'a paru un peu fatiguée. Et sans doute qu'à partir du deuxième match, on verra le nouveau visage de cette équipe. Maintenant, celle que j'ai aimée comme sélection, c'est l'équipe du Cap-Vert. En plus d'avoir des belles supportrices, mais le jeu était magnifique. Très bien. Voilà, un beau jeu à la fois sur le terrain et dans les tribunes. Un peu brésilien sur les bords. Exactement. mais pour qui observe il l'a placé celle-là. Tu l'as placé. Pour qui observe la sélection africaine, on verra qu'à côté du Cap-Vert, il y a également les Comores et même la Guinée équatoriale. Oui, sont pour moi, bien sûr. Le Mozambique, qui sont pour moi les futures grandes équipes nationales d'Afrique. Il faut les suivre de près. On va terminer. Oui, parlons des supportrices. Herman. Oui, on peut en parler. Ça fait partie de la Guinée. C'est une équipe qui nous a déçus. Hein. Qui ça? Après, on ne va pas faire le débat sur les couleurs. L'équipe s'est rattrapée. Bon, on a terminé ce point. On va ouvrir le grand point billetterie. Je rappelle que vos appels sont attendus. Je rappelle les numéros de téléphone, le 27 22 54 98 50 et le 27 22 54 98 51. Il y a, c'était le 16 novembre, ici même sur ce plateau, que nous avions M. Janvier Kouakou, chef de département billetterie au Cocagne, qui nous donnait des assurances quant à la gestion de la billetterie. On regarde et on débriefe après. Est-ce que le système mis en place permet de réguler, de gérer tout le besoin de tickets pour cette célébration footballistique? Le système a été, n'est-ce pas, choisi par la CAF elle-même. Et c'est une grande première pour cette organisation de pouvoir avoir une billetterie hybride, c'est-à-dire les billets numériques. Donc toute personne qui va en ligne via le lien peut payer son billet en ligne. Et il y a les billets physiques. Les billets physiques vont... On les trouve dans les points de vente et tout le monde sera servi. On aura près de 67 points de vente sur tout le territoire ivoirien. Les box, on veut plus être focus dans des points de vente comme La Poste, puisque aujourd'hui le réseau de La Poste est très étendu sur tout le territoire. Et on a aussi les mairies, des sous-préfectures et des préfectures qui vont servir de points de vente. Écoutez, en fait, il y a plusieurs catégories de billets. On a les billets VVIP, les billets VIP, qui sont des billets qui sont seulement que pour la CAF et le COCAN, les autorités du COCAN. Après, vous avez les billets hospitalité. Ces billets-là, c'est les billets corporate qui permettent aux entreprises, n'est-ce pas, de pouvoir inviter des gens dans des loges ou avoir des places un peu plus distinguées. Voilà. Et après, nous avons les billets en catégorie 1. Les catégories 1 sont à 20 000 francs. Surtout pour le jour de l'ouverture, d'accord, 5 000 francs pour les catégories 3. Et entre la catégorie 3 et 1, il y a la catégorie 2 qui fait 5 000 francs. Donc, tout le monde est servi. Personne n'est mis, n'est-ce pas, de l'autre côté. Tout le monde peut avoir ses tickets, d'accord, et il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont prendre des billets, hein, des entreprises citoyennes, pour des étudiants, pour des élèves, pour inciter les gens à aller à cette fête. N'importe quelle personne qui se trouve au bout du monde peut, n'est-ce pas, payer son billet en ligne, en toute sécurité. Qu'est-ce qui a été prévu pour contrer la surenchère qu'on a vue ici à certains moments de rencontre des matchs des éléphants, la surenchère avec un billet qui coûte 5 000, finalement on le trouve à 10 000 ou 15 000 aux abords des stades? Il faut noter que ce qu'on a pour habitude de faire, c'est que les gens payent des billets, payent plusieurs billets, et ils se retrouvent au bord du stade pour revendre ces billets. Mmh. On a pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas de revendeurs. Même sur les billets, c'est marqué qu'il ne faudrait pas revendre les billets. Une chose qu'il faut noter, qui est très importante, chaque billet est nominatif. Un individu ne peut pas payer un billet au-delà de 6 billets. Et pour toute la compétition, vous ne pouvez pas dépasser 30 billets. Et il y a encore ce qu'on appelle les ventes groupées pour les entreprises ou les institutions.
C'est de là-bas que quelquefois vient ce genre de choses, parce que quelqu'un peut prendre 1 000 billets, et oui, après, les 1 000 billets peuvent se retrouver sur le marché noir. Ces billets-là sont identifiables. Et dès qu'on retrouve un billet dans le marché noir, ben, forcément, c'est lié à une institution, à une entreprise, et ils vont répondre devant les autorités. C'était le 16 novembre dernier, sur ce même plateau, et Dieu merci, nous y sommes encore. Alors, les assurances avaient été données. Qu'est-ce qui se passe pour ne pas qu'on ait des tickets? Tout le monde se plaint, sur la toile. On a des retours pas très intéressants de certains amis des pays frères qui réagissent, alors que ces assurances-là avaient été données. Daouda, réaction? Bon, je pense que malgré les assurances qui avaient été données par M. Janvier, responsable de la billetterie, on s'est rendu compte que la réalité sur le terrain était tout autre chose. Aujourd'hui, le constat est que personne ne peut avoir des billets. On l'a constaté au niveau du match d'ouverture, le match des éléphants. Mm-hmm. Pour un stade de 60 000 places, il se trouve qu'il y avait à peine 38 000 personnes. 36 000 personnes. Voilà, dans le stade. On s'est dit que sûrement, comme il y avait 4 ou 5 présidents qui venaient de d'autres pays pour des questions de sécurité, ce jour-là, on se rappelle bien qu'il n'avait plus au niveau des BNP, que les gens étaient peut-être fatigués, c'est pour ça qu'ils sont rentrés à la maison. On s'est dit que le deuxième match, les choses allaient aller pour le mieux. Malheureusement, pour le deuxième match, catastrophe, le match Nigeria contre, comment on appelle ça, j'ai oublié le pays, la Guinée équatoriale. Mais les stades sont restés carrément vides. Mais ça s'est demandé, mais d'où vient le problème? Pourtant, on nous avait dit, les matchs, certains matchs, notamment le match de la Côte d'Ivoire, le match du Nigeria, le match du Cameroun, c'était sold out. Comment se fait-il que malgré les matchs à guichets fermés de ces équipes-là, les stades se retrouvent être vides? On se pose la question. Donc finalement, il se trouve que des gens sur le terrain, parce qu'il ne faut pas dire tout le monde, il y a certaines personnes sur le terrain qui font dans la surenchère. Personnellement, j'ai appelé des gens parce que je voulais assister au match du Cameroun aujourd'hui, au niveau de Yamoussoukro. J'ai appelé pour un ticket de 5 000, on me dit 40 000 francs. C'est pas vrai. Mais autant que j'aille dans une fan zone, je me prends quelques sodas, si vous voulez. Voilà, et puis après, je rentre bien à la maison. Mais c'est mieux parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un peu d'amateurisme à ce niveau-là. Alors, Herman Aboua, qu'est-ce qui s'est passé? Les tickets étaient-ils arrivés au point de vente? Si oui, comment se fait-il que certains ont la capacité de les acheter et de les revendre? Est-ce que déjà même les tickets sont arrivés au point de vente? Parce qu'on se dit qu'avec les assurances que M. Kouakou nous avait données ici le 16 novembre, normalement, on n'aurait pas dû avoir toutes ces plaintes qui arrivent sur la toile. Mais moi, je pense et surtout des pays frères. Souvent, lorsqu'on est... on ne se sert pas des anciennes expériences. Le premier jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour où ils ont ouvert la vente des tickets de façon physique dans les postes à Yopougon, il y a eu problème. Sur ce plateau, on a dit, on a sonné l'alerte. Aujourd'hui, on constate que les mêmes problèmes, et vous voyez bien les questions qu'on a posées à M. Janvier, d'ailleurs le 16 novembre, sur ce plateau, c'était pour prévenir cela, parce que ce n'est pas nouveau. Lors du match Côte d'Ivoire-Seychelles, où la CAF voulait tester avec la FIFA le dispositif de billetterie en ligne, on a vu le même problème. Il y a une dame sur les réseaux sociaux, elle est partie acheter des billets, elle a dit qu'elle est allée à la FIFA pour acheter les tickets. On lui a dit que ça n'existait pas, mais devant, vous pouvez l'avoir. On a dit ici, les gens ont spéculé là-dessus. C'est pourquoi même on avait reçu M. Janvier ici. Aujourd'hui, c'est le même problème sur lesquels on tirait l'alerte. La sonnette d'alarme. Voilà, on en est là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi? Si on nous dit que des matchs sont sold out, c'est-à-dire que les gens vont en ligne, ils ne trouvent pas de tickets. Ouais. Quand ils vont dans les endroits physiques, partout, dans les postes, dans les endroits où on leur dit les supermarchés et autres, on ne trouve pas de billets, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu des billets et qui, finalement, n'ont pas pu les revendre ou bien n'arrivent pas à être au stade. Mais lorsqu'on regarde ça, pour ne pas que ça soit vite, regarde, tout à l'heure, je parlais de cette belle cérémonie d'ouverture avec tout le monde. Et puis, il y avait des sièges devant, de nombreux sièges qui étaient vides. Pendant que on nous avait dit que c'était sold out. En ce moment-là, on peut faire rentrer de façon urgente des personnes qui ont bien envie d'être au stade. Aujourd'hui même, j'ai vu des vidéos circuler
enfin des publications, des Camerounais, des Guinéens qui sont à Yamoussoukro. Mmh. Ils cherchent depuis leur pays, ils ont cherché ces billets-là en vain, ils ne les ont pas trouvés. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont allés jusqu'à Yamoussoukro. Ils cherchent les endroits où ils vont trouver les billets. Pendant que leur match se jouait à guichet fermé, et pourtant c'était vite. Alors, moi, je pense qu'il faut, il faudrait pas donner la honte. Parce qu'il y va de l'image. Si le président a fait sortir jusqu'à 1000 milliards pour organiser cette CAN-là, c'est parce qu'il y a des retombées pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et non pas les petites ristournes que des individus vont avoir en vendant, dealant sur la vente des billets. Très bien, Herman. Merci beaucoup. Alain Toussaint, on sait que c'est une innovation, cette vente hybride qui promettait en tout cas toute la sérénité dans l'achat des billets. Apparemment, au niveau de ce système-là, il y a problème. Le dispositif donné ici la dernière fois par M. Kouakou, il a dit qu'il y avait un appareil qui avait la capacité, je lui ai même posé la question, est-ce que cet appareil-là pouvait satisfaire tout le monde, et il nous avait rassurés. Alors, est-ce que c'est la responsabilité entière du COCAN? On a vu également ce poste qui a été fait par son Excellence, M. le Premier ministre, pour dire, attention, la CAF a également sa part de responsabilité. Écoutez, je pense que en de telles circonstances, les parties prenantes vont se renvoyer la balle, sans jeu de mots, vont se renvoyer les responsabilités. Il faut quand même être pragmatique. Combien d'Africains, d'Ivoiriens en particulier, disposent de cartes de crédit? Comment peut-on commencer la vente de tickets d'une compétition aussi populaire par une vente en ligne? Ce sont des questions. Là, on me dit effectivement, les tickets peuvent être sold out. Mais ceux qui ont acheté les paquets de tickets, s'ils n'arrivent pas à les revendre. Moi, ce que j'ai observé samedi, en face de moi, j'avais des blocs entiers, des sièges qui étaient inoccupés. Ouais. Donc, je suppose que ce sont des séries de billets achetés par des individus qui les ont peut-être revendus. Ou à des qui prix ne les trop pas... chers, peut-être. Oui, qui les ont proposés. J'ai une amie qui, vendredi soir, m'a appelé, voulait acheter des tickets pour sa fille, mais le revendeur le lui proposait à 150 000 francs c'est le ticket. Pas vrai. Au lieu de 15 000 francs. Donc, elle m'a appelé pour savoir si c'était un billet authentique. Je lui ai demandé s'il y avait un code QR. Très bien. Et je lui ai indiqué deux, trois éléments. Donc, il y a un vrai problème. On a et déjà des gens, quelqu'un en ligne. Effectivement, c'est désastreux pour notre pays, sans situer les responsabilités. Parce qu'il y a un organisateur qui s'appelle la CAF, avec un co-organisateur qui est le COCAN, il faudra qu'une enquête soit menée. Juste d'un mot avant de passer à l'antenne, enfin, la personne qui appelle. Mais quand il y a eu le scandale des billets du match amical, la FIFA nous avait promis une enquête. Est-ce que quelqu'un a entendu parler des résultats de l'enquête? Très bien. Donc, alors, il faudrait quand même moins d'opacité. Ça va venir. On aura les résultats forcément de cette enquête-là. Oui, monsieur Atumbré Kakou, vous nous appelez de Bingerville. Bonsoir. Vous êtes là, monsieur Atumbré? Oui, je suis là. Très bien. Alors, il s'agit en fait de réagir sur le point de la billetterie, votre point de vue là-dessus, et si vous avez peut-être une ébauche de solution. Allez-y, monsieur Atumbré. Non. Oui, en fait, j'avais juste une question. Allez-y. C'est juste pourquoi le monsieur qui est venu, il avait dans votre vidéo, il vient de le couper. Alors, on a un challenge avec votre récepteur, mais je pense qu'il nous disait pourquoi M. Kouakou n'est pas revenu. Mais rassurez-vous, il reviendra. Il reviendra, ça c'est clair. On voudrait vous rassurer. Il reviendra, il sera donc invité, il reviendra, parce que c'est une question qui touche les Ivoiriens, et il reviendra. Mais vous savez, les questions d'agenda, il reviendra. Est-ce que nous avons un autre appelant? Sinon, on va donc passer la parole à... On a quelqu'un? Madame Karamoko, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, allez-y, madame, pour votre point. En fait, moi, je voulais vraiment un point. Oui, allez-y. Concernant la santé. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de... Alors, madame Kouakou, ce qu'on va faire, essayez de diminuer votre poste récepteur. Madame Karamoko, pardon. Diminuez votre poste téléviseur pour qu'on puisse bien vous entendre. OK, comment ça peut mieux mettre? Voilà, ça passe. Allons-y. Je dirais que... Oui. Moi, je proposais qu'on ne vende pas trop de tickets à une personne. On ne vende pas trop de tickets à une plus personne. Plus de 10 tickets. Plus de 10 tickets.
Plus, ils vont vendre ça à des prix vraiment exorbitants. Mm-hmm. Donc chacun nous devrait. À l'ouverture, on nous a dit qu'il n'y a plus d'équité. Quand on est resté chez nous, malgré notre douleur, il y a la télé, plein de places vides. Oui, oui, oui. Vraiment, c'est pas très bien. C'est quand même la Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Karamoko. Merci. Donc, on retient votre point. Oui. Elle estime qu'il ne faut pas vendre plus de 2 tickets à quelqu'un qui demande. Avant, on attend toujours les appels. On va les prioriser. Monsieur Kobenan, Jean-Jacques de Bondoukou. Monsieur Kobenan, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y pour votre point, Monsieur Kobenan. Bon, au fait, moi, j'appelle concernant les tickets. Oui. Si je me rappelle très bien, le directeur de la COCAN a dit ici à la télé que nous avons suivi. Oui. Que l'achat des tickets sera bien garanti et plus sécurisé. Mm-hmm. Mais ce qu'on constate, ce n'est pas cela. C'est ça. Voilà. Donc, il faudrait que l'État, la Côte d'Ivoire, puisse le voir. Et puis, l'Organisation mondiale de football puisse quelque chose concernant les tickets. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. On va juste réagir encore une fois en ligne. Oui, oui rapidement. Oui. Je pense qu'en fait, souvent, il faut être pragmatique. On est sur le plateau et on repart après. On sait que la Coupe d'Afrique, c'est forcément les nations africaines qui viennent. Et la Côte d'Ivoire étant le cœur quand même de l'univers diplomatique dans notre région, on aurait pu imaginer de s'appuyer sur les consulats et les ambassades, ce qui permettrait aux Camerounais qui arrivent de son pays d'aller prendre ses d'aller tickets à un son point ambassade. De vente qui est situé donc, dans son ambassade, etc. Il faut être pragmatique. Voilà. Parce que cette affaire-là, je pense qu'elle ne restera pas sans suite. Et j'espère que le président de la République, d'après ce qu'on a appris, fera en sorte qu'il y ait des sanctions. On ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire soit humiliée de la sorte. Ce n'est pas, vraiment, ce n'est pas acceptable. L'autre pan du communiqué, de la précision du Premier ministre, c'est que dans les 48 heures... Oui, voilà, exactement, les 48 heures, j'allais la question doit être adressée. Donc, la question sera adressée. Sera adressée. Donc, que cette assurance-là, je pense que les gens savent. C'est ce qui est vraiment la force note aujourd'hui. Mm. Que les gens ne parviennent pas à avoir leur ticket d'entrée pour un match pendant que les stades soient vides, c'est un problème. Alors, il a précisé, dans le biais qu'a fait Monsieur le Premier ministre, il a dit, c'est d'abord la responsabilité de la CAF. Non, évidemment, elle travaille avec le COCAN. Voilà, la billetterie est l'affaire de la CAF, mais nous avons remarqué que lors des premiers matchs, beaucoup de problèmes ont été posés. Nous prenons le problème en main et vous verrez les résultats dans les 48 heures. Daouda, c'est rassurant quand même. Non, c'est très rassurant, mais ce que le Premier ministre est tellement clair dans la mesure où dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est le COCAN qui s'occupe de qui gère tout. Qui en gère fait. Tout. Voilà. Non, la billetterie est l'affaire exclusive de la CAF. Aujourd'hui, il y a problème. C'est nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Mais moi, je parle d'un problème, c'est en revenant sur un point que M. Alain disait tout à l'heure. Quand on vient dans un pays pour organiser certains événements, il faut prendre en compte la dimension sociologique, la façon de consommer. C'est-à-dire, Daouda. Quand je parle de la façon de consommer, on sait tous que généralement en Côte d'Ivoire ici, les gens, quand ils vont au concert ou bien à un match, il y a une billetterie physique où ils vont payer. Mais la CAF ou le COCAN, je ne sais pas, dans un esprit d'innovation, je veux dire... C'est pas mauvais aussi. C'est pas mauvais d'innover, mais quand on innove, il faut prendre en compte la façon de consommer des gens. Donc finalement, quand vous mettez 20% ou 25% des billets à la vente en ligne, peut-être 20 autres % à la vente physique, finalement, il y a eu un problème de communication où faut-il aller, parce qu'il parlait tout à l'heure de Yopougon, faut-il aller, les gens, même, il y a certains qui ne connaissaient pas les points de vente. On va dans les points de vente, il y a 1, 2, 3, 4, au bout de 5 personnes ou 10 personnes, il n'y a plus de tickets. Il y a problème, qui est posé. On part à Koumassi pour rejoindre M. Koné Mohamed. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, madame. Alors, diminuez votre poste récepteur pour que la communication soit aisée et nous vous écoutons. Madame, je pense que j'avais un contact. Oui, quel est votre point? Merci de nous suivre. Madame, moi, j'aimerais... Monsieur Koné, diminuez votre poste récepteur. Voilà. Le son diminuez, il faut. Madame. Très bien, allez-y. Donc, j'ai comme ça que concerne les théories, là. Nous ne sommes pas obligés. Vous savez que, comment on appelle ça, c'est chez nous qu'on organise la CAN.
Quand j'apprends que non, c'est la CAF qui organise, mais tout est que nous avons notre responsabilité dans cette table. Il faut tenir compte de la psychologie des Ivoiriens, comme Dabou l'a cité tout à l'heure. Et nous ne sommes même pas obligés de vendre ça en ligne. Nous devons savourer nos anciennes méthodes. Il nous arrive parfois d'aller dans les stades et acheter les tickets. Pourquoi ne pas faire ça? Vendre les billets. Très bien. Nous sommes obligés forcément, oui, voilà. Nous sommes pas obligés forcément de suivre et, comment on va essayer, de faire l'innovation. Très bien. Merci. Merci beaucoup. On note votre point et notre téléspectateur disait on n'est pas obligé. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce mais en même temps, nous sommes au 21e siècle et tout ce que, enfin, les organisations maintenant, c'est en ligne, hein, les billets, mais ça. Ce que j'allais dire, est-ce que vous avez pris ça en compte? Parce que quand vous prenez ça en compte, quel est le taux de bancarisation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Combien de personnes font des achats avec des cartes de crédit? C'est de ça qu'il s'agit. Or, l'une des solutions aujourd'hui, Alain l'a donné, c'est que les pays qui viennent, les 23 autres pays qui viennent de l'étranger, leurs supporters vont prendre leur ticket dans leur ambassade. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aujourd'hui, je vais terminer rapidement sur ça. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on a un problème de remplissage de nos stades. Il est important pour nos élus locaux, mais conseil régional, de commencer à acheter des tickets pour leurs administrés, comme l'a fait un ministre qui a payé 3 000 tickets pour des gens. Il ne s'agit pas de payer les tickets et les garder dans son casier. Mais ça a été fait à Yopougon, à Yopougon. On va aller avec Barry. Le maire a Alain offert gardez votre point. Gardez votre point. On rejoint Barry et Yamoussoukro. Ils étaient au stade. On rejoint Barry et Yamoussoukro qui va nous faire un peu le point. Il y avait donc cette rencontre Cameroun-Guinée. Barry, est-ce que les supporters guinéens ont eu la facilité d'accès au stade avec les tickets? Allô, ça, Barry? Tout à fait, téléphone. T'entends? Est-ce que Barry nous entend? Bon, on continue. Ah, j'ai dit ça. On a perdu Barry le temps qu'il revienne. Hein, on espère qu'il nous dira de bonnes choses. Alors oui, Alain Toussaint, vous disiez que le maire de Yopougon avait offert... Oui, des tickets à des spectateurs, à des administrés, à des conseillers municipaux qui étaient tous au stade. C'est une solution? Dans tous les cas, le principal défi de cette CAN, au-delà de l'accueil et autres, c'était... la fréquentation des stades. C'est cela. Voilà. Quand on a 60 000 personnes qui doivent être à Ebempe, on prend ces dispositions. Et c'est là où on aurait dû solliciter les entreprises pour offrir des billets dans des orphelinats, mais il y avait des billets, à des élèves, il y avait à des billets étudiants. Corporate. Oui, non, mais ça, c'est différent. Ça, c'est pour les PDG qui sont dans des loges, ils ont payé 10 millions, ils sont là, ils ont le champagne dans le bar, dans la mi-temps, etc. Ils pourraient ouvrir, mais, comme vous le dites, voilà, offrir mais à leurs employés. Pour les, classes populaires, il lui fallu s'arranger pour sponsoriser les accès au stade. Et je pense que, bon, écoutez, on a mis du temps à tergiverser sur qui était le patron du COCAN, qui devait faire ceci, qui devait faire cela, alors que depuis 2-3 ans, tout cela aurait dû être prêt. Les Jeux olympiques de Paris, les billets sont en vente depuis 6 mois. Vous voyez. Parce que c'est dans leur culture, leur façon de consommer. Alors, mais il faut la créer, cette culture. Permettons à Herman de s'exprimer sur la question. Moi, je pense que le problème est vraiment plus profond que celui que veut nous, dépeindre. Comment est-il plus profond, Herman? Il est profond parce qu'il ne s'agit pas d'une question de système qui ne fonctionne pas. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans l'affaire de la billetterie, des billets qui manquent, il y a certaines personnes qui dealent sur la question des billets. Quand on finit de dire ça, chercher à faire croire que les points de vente sont... Dans la phase solution. Voilà, et on achète dans la phase solution, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir peut-être des guichets aujourd'hui. Faire en sorte que, puisque ZDA, on dit que c'est sold out, ouvrir des guichets physiques. Herman, on va juste pause, et puis on va prendre Barry, comme la connexion est assez compliquée. Allô Barry, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Alors, vous avez suivi le match Cameroun-Guinée. Comment est-ce que s'est passé l'accès au stade pour les supporters guinéens? Cela, et même camerounais, est-ce que ça a été facile, Barry? Bonsoir, Christelle. Bonsoir à tous. Bon, il faut dire que l'accès au stade était très, très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui n'avaient pas de ticket. Et parmi les supporters qui avaient des tickets, il y en a, les tickets étaient des bijoux, ça ne passait pas. Qu'est-ce qui ne passait pas? Je n'ai pas saisi. Des faux tickets, ils ont fait son doublon. Des doublons. Oui. Et ces tickets-là ne passaient pas. Au moment où il fallait scanner le code QR, ça ne passait pas.
Très bien. Et moi-même, j'ai été dans ce cas. Ah, d'accord. Ouais. Le ticket ne passait pas. Donc, il n'était pas un vrai ticket ou il avait déjà été enregistré? Le ticket a été acheté au comptant, mais au moment de l'imprimer, au moment de l'impression, ils ont respecté les numéros. Ils l'ont attribué à quelqu'un d'autre. Wow. Non. Donc, ça fait qu'il y a un ticket, c'est le même numéro pour deux tickets. Wow. Donc, une fois l'un de vous passe, l'autre ne peut pas passer. Non. Il est dit. Très bien. Alors, merci beaucoup, Barry. On est pressé par le temps. On revient on revient sur la question à tout à l'heure. C'est l'affaire des tickets qui défraie la chronique en ce moment en Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci, nous savons que les autorités vont travailler d'arrache-pied, justement, pour régler la question. En attendant, un supporter camerounais du nom de Siné Yannick nous fait dire qu'ils avaient donc géré et payé 100 tickets pour suivre la confrontation, mais malheureusement, arrivés au stade, ils n'ont pas pu avoir accès parce que simplement les tickets n'étaient pas... Ne passaient pas. Voilà, ils étaient 100, ils ne passaient pas. Alors, il faut qu'on en parle, mais allons sur le point des solutions. Barry également, avec la communauté guinéenne, n'ont pas pu avoir... Il y a eu des challenges de doublons de tickets, près de 100 tickets payés, il y avait des doublons. Certains tickets avaient déjà été checkés. Alors, et les tickets ont été payés dans un point de vente, dit-il, Cocane. Alors, messieurs, quelle solution aujourd'hui? On a l'époque des solutions. En 48 heures, assurément, on aura un nouveau process. Comment est-ce que nous, on peut justement participer à ce que ce nouveau process-là, quelle solution, que pouvez-vous donner comme idée, Daouda? Moi, l'idée d'un premier temps, comme je l'avais dit, il faut revenir à l'ancienne version, en fait, s'adapter à la façon de consommer des gens. D'abord, aller par une billetterie physique de façon claire et nette, donner des points d'accès, même si c'est face à 10 km du stade qu'on a payé, et puis on passe, on vient. Ça, c'est déjà une piste de solution. Et je pense que le Premier ministre, en disant qu'il a... Payer les tickets main à main, comme à l'époque. Main à main, comme à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, dans leur esprit, dans leur volonté de tellement bien faire, finalement, c'est en train de devenir autre chose. C'est ça. Et la deuxième chose, c'est de lancer un appel à nos compatriotes ou même aux amoureux du football. La cupidité ne peut rien apporter. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez bâtir votre héritage. L'héritage que votre papa ou votre maman ne vous a pas donné, ce n'est pas sur les billets que vous allez devenir riche. S'il vous plaît, laissez les billets pour que la fête soit encore plus belle. Alors, Alain Toussaint, quand un billet de 15 000 peut être revendu à 150 000, il faut vraiment avoir une attitude citoyenne parce que c'est l'image du pays. Sans ticket des personnes qui n'arrivent pas à voir au stade, des invités de la Côte d'Ivoire, il y va de notre honorabilité. Bien sûr, je pense que cette affaire entache l'image de marque, l'image internationale de la Côte d'Ivoire face à l'appétit vorace de certains réseaux qui, comme le dit Daouda, veulent mettre à profit la CAF pour s'enrichir. Mais vous ne pouvez pas faire fortune sur la passion des gens. Il faut rappeler que quand la CAN coûte 500 milliards au moins, c'est l'argent de nos cultivateurs, ceux qui courbent les chines pour pouvoir contribuer à l'économie de notre pays. C'est cet argent payé par les vendeurs, par les commerçants, par les entreprises qui est utilisé pour financer cette opération. Et derrière, des individus voudraient bâtir fortune. Donc, c'est inacceptable. Mais en même temps, il faut être pragmatique. C'est cela. Quelle solution aujourd'hui? La CAF ne peut pas réinventer l'eau chaude. Mettez les tickets à disposition partout où il est possible de faire du commerce. Ça peut être dans les supermarchés. On a un bon réseau de supermarchés aujourd'hui. Ça peut être dans les mairies, ça peut être dans les librairies, etc., etc. Il faut que les tickets soient accessibles. On ne peut pas se contenter de la vente digitale de tickets parce qu'on a vu le résultat auquel on aboutit. Et il faut rapidement trouver des solutions parce que la Côte d'Ivoire joue jeudi, mais entre-temps, il y a d'autres matchs dans d'autres poules, dans d'autres villes, etc. Il faut mettre fin à ce qui, pour moi, est une vraie humiliation de notre pays. Herman, au-delà des Ivoiriens, certains Ivoiriens, revendeurs qui devraient avoir un esprit patriotique, il faut peut-être aussi apaiser le cœur de nos visiteurs qui ne sont pas très contents avec cette affaire. Ben oui, parce que quand tu cherches à avoir accès à des billets depuis ton pays pour venir supporter ta nation qui participe, et même chez toi, tu ne parviens pas à trouver des billets, tu viens encore dans le même pays organisateur, tu ne trouves pas des billets, c'est frustrant. Mais moi, je pense qu'ils n'ont qu'à se tranquilliser parce que, comme le Premier ministre l'a dit, ils ont 48, dans 48 heures, ce problème va être réglé. Tout le monde aujourd'hui est conscient que cet aspect-là, ça entache l'image de marque de la Côte d'Ivoire.
et que, connaissant le feeling du président de la République pour ne pas gâter son nom sur ces genres d'événements-là, il va forcément adresser la question. Et d'ici là, je pense que les solutions vont être trouvées. On espère bien. Alors, que est-ce que vous êtes d'accord avec Daouda pour dire laissons les histoires d'aller acheter en ligne, allons à l'ancienne? Moi, à l'ancienne, moi, j'ai déjà dit. Aujourd'hui, déjà, pour les matchs qui sont déjà sold out, comme on l'a dit là, on n'a qu'à faire entrer les personnes, les supporters qui veulent bien y aller de façon qu'on appelle gratuite. Mmh. Ça va permettre de calmer un peu leur frustration et autres. Il y a pour des prochains matchs, on peut faire en sorte de combler le vide. Il faudrait qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait plus de sièges vides lorsque les compétitions vont se dérouler. Si ça doit nous coûter, non, ça n'a qu'à nous coûter. Mais on peut prendre les dispositions pour que cela se fasse. Et puis les endroits physiques, comme ils le disent, effectivement, il faut que dans les endroits physiques et autres, que il faut déjà même que les tickets soient disponibles. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un problème même de disponibilité de ces billets-là. Oui, mais je pense que les tickets doivent être disponibles parce que samedi matin, j'ai vu une annonce du COCAN qui annonçait la vente flash. Donc, ce qui veut dire qu'ayant constaté sans doute que la déroute du système et des places vides à venir, c'est empressé de mettre en vente des billets par un système de vente flash. Donc ça aussi, il faut qu'on nous explique comment des billets qui étaient sold out, on assiste à une vente flash. Se retrouvent de nouveau dans le circuit. Donc il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Et nous comptons sur le Premier ministre pour obtenir des réponses de la part de nos amis du COCAN et de la CAF. Alors, je voudrais vous rassurer, chers amis téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Demain, nous reviendrons encore sur la question pour en savoir davantage. Assurément qu'on aura des réactions, assurément, du COCAN ou même du gouvernement, pourquoi pas, pour rassurer les populations ivoiriennes et nos amis visiteurs sur... plus belle CAN jamais organisée, même si aujourd'hui... Il y a des bisbibes, ça va se gérer. On est sûr que vous allez vous amuser, ne vous inquiétez pas. Très bien, alors notre prochain invité, nous sommes toujours dans le domaine du foot. Notre prochain invité est basé à Paris et initiateur et promoteur du festival de la coiffure et de l'artisanat venu à Bobo, et il est ex-footballeur, aujourd'hui coiffeur professionnel de star du foot et de la chanson. Venu spécialement à la CAN en Côte d'Ivoire, lui, il n'a pas eu de soucis de ticket apparemment. Pourquoi fait les joueurs de la sélection burkinabé? Bonsoir, Cissé Ibrahim. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Moi, dit Christelle. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Alors, vous êtes venu spécialement pour coiffer les joueurs de la sélection burkinabé? Oui, c'est ça. Alors, c'est important la place de la coiffure dans le foot? Parce qu'on veut qu'ils soient concentrés, là. Ils doivent être concentrés sur le jeu et tout. Quand on pense à leurs cheveux, est-ce que ce n'est pas un peu distractif? Non. Bien au contraire, la coiffure fait partie de l'esthétique. Les footballeurs, ils ont besoin de cette confiance-là avant d'être sur le terrain. Donc, le rôle d'avoir un bon coiffeur fait partie aussi du côté moral, du côté... Ils ne peuvent pas être tout simplement coiffés comme, je ne dirais pas comme Daouda. C'est des artistes. Okay. Ils ont besoin, chaque gars a son look, chaque footballeur a son look. Ils ont besoin d'être en confiance. Et quelqu'un qui est mal coiffé tout de suite dans sa tête... Il n'arrive pas à marquer. Pas qu'il n'arrive pas à marquer, mais il n'est pas à l'aise avec lui-même déjà. Donc, ils ont besoin de bien paraître. Ça fait partie du personnage. Très bien. Mais aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que... En gros, chaque joueur révèle son identité, sa personnalité au travers de sa coiffure? Quand on voit un Gervinho qui se fait des tresses... On a eu un Didier aussi qui faisait, voilà. On voyait Didier Drogba. Il y en a qui se tressent comme vous, qui laissent la barbe, il y en a qui s'attachent la barbe. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Et il y en a qui sont simples aussi. Il faut comprendre aussi que d'abord, ce sont des artistes. Et un footballeur, il doit s'identifier d'abord à lui-même. Il y a certains qui se sentent artistes à travers le pied, certains à travers l'aspect qu'ils veulent donner. Et quand tu commences une carrière, tu portes un personnage. Okay. Et à travers ta carrière, tu essaies de développer ce personnage parce que tu as une fanbase après qui s'écrit. Donc, autour de cette fanbase-là, tu es obligé d'entretenir ce personnage-là. Et tu auras besoin d'un coiffeur qui prendra soin de toi tout au long de ta carrière ou pendant les grandes compétitions comme ça. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui veulent se faire voir. C'est l'occasion pour aussi de mettre de belles coiffures. Mais avant de rentrer dans votre relation particulière avec les joueurs, parlons de vous. Vous êtes ancien footballeur? Oui, j'ai été académicien. Académicien, la CFP. Avec quelle promotion? J'ai été avec Ali Badra et j'étais à Ivoire Academy. Ok, très bien. Ivoire Academy. Avec Coach Carlos, tout ça. Et
Comment on passe de, justement du foot à la coiffure? Bon, il faut comprendre que moi, depuis tout petit, je suis autodidacte. J'ai appris à coiffer dans le quartier, comme tous les petits d'Abobou, tout ça. Je n'ai pas pensé à faire une carrière dans la coiffure. Mais quand on arrive en Europe et qu'on fait du foot, après, quand ça ne marche pas, il faut trouver un moyen. Un point de chute. De se reconvertir. Et moi, c'est la coiffure qui a été pour moi. Comment devient-on coiffeur de joueur professionnel? Comment est-ce qu'on devient... Je n'ai pas compris la question. Comment devient-on coiffeur de joueur professionnel? Il faut déjà être passionné. Il faut déjà se faire un nom soi-même et attendre la bonne occasion. Et comment vous rentrez dans ce réseau? Quelle a été la bonne occasion pour vous? Je dis d'abord merci à un ami qui s'appelle Chéquier. Okay. C'est lui le photographe de l'équipe nationale du Burkina. Okay. Et quand j'ai fait sa rencontre, lui, il a l'habitude de se coiffer à Château d'Eau, tout ça. Mais une fois arrivé dans mon salon, il a vu le personnage, il a trouvé que peut-être que c'était l'homme adapté à la sélection. Donc, j'ai été invité au Maroc. J'ai fait un stage avec eux. Et après ce stage, tous les gens ont apprécié mon profil. Parce que pendant que je coiffe, je parle football aussi avec eux. Okay. Donc, je pense que ça a dû créer des liens. Et vous devenez leur confident? Oui, en quelque sorte. Aujourd'hui, vous êtes là, coiffeur de la sélection du Burkina Faso. Oui, je suis venu spécialement de Paris pour ça. Spécialement de Paris pour les coiffer. Je pense qu'ils avaient besoin d'être en confiance, d'avoir un coiffeur. Qu'ils connaissaient. Oui, un coiffeur qui a déjà été avec eux et qui vient pour le mettre aussi en confiance. Et je pense que pour moi, c'est une très belle expérience de vivre cette CAN en plein cœur d'une sélection. Ça me fait vivre aussi... un peu ma carrière de football. Mais au-delà de les coiffer durant cette CAN, je suis sûr que chacun d'eux est dans un club quelque part dans le monde. Après, la CAN, ils se coiffent comment finalement? Parce que vous faites les capitales pour aller les coiffer. Je pense que moi, avec certains joueurs déjà, on a commencé à parler. Santé s'est dessiné. Il y a certains joueurs qui vont me garder pour le club. Donc je pense que c'est un profil qui se démarque. Moi, à la base, j'aime beaucoup voyager et rencontrer ces joueurs-là dans le club va aussi va pouvoir me permettre de voyager. Et je pense que tu ne forces pas le contact, tout se passe au feeling. D'accord. À combien est payé une coupe qui est faite à un joueur de football? À une star. J'allais poser la question. Hein. Parce franchement, que quand que nous, tu parles ce genre de joueur, il faut laisser le cœur parler. Parce que si tu dis un prix, c'est trop bas. C'est des gens qui parlent avec le cœur. Ça peut t'arriver de finir le coiffure, il va te dire on se voit la prochaine fois, c'est à toi d'être grand mature. Okay. Mais c'est des gens qui sont très généreux. Donc en gros, c'est dit qu'avec le joueur, on n'a pas besoin d'un prix. Voilà. On coiffe, le jour où son cœur veut. Dans tous les cas, il n'y a pas de défaite. Parce qu'il faut comprendre aussi que c'est un statut que tu as. Et privilégié. Savoir, voilà, tu es très privilégié parce qu'il y a plein de personnes qui attendent cette occasion aussi. Hein. Et donc, pour moi, c'est vraiment un privilège d'être avec eux. Donc, vous vivez bien de votre art, j'allais dire, de vos connexions avec les sélections? Bon, avec la sélection du Burkina. Oui, là, aujourd'hui, quel est l'état d'esprit, puisque, bon, ils vont jouer bientôt, quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit de la sélection. Non, il est même confiance. Il peut être confident, mais il ne peut pas. On va l'écouter. Je veux juste dire qu'ils sont bien, ils sont préparés, ils sont concentrés. Pour le moment... c'est vraiment la concentration. C'est pourquoi on ne communique pas beaucoup sur l'esprit même du groupe, mais ils sont vraiment concentrés. Mais aujourd'hui, si vous avez la possibilité, parce que vous êtes à la sélection des étalons de Yenenga, si les éléphants de Côte d'Ivoire vous appellent... Je suis un patriote. Patriote. Dans tous les cas, je veux servir mon pays, mais pour le moment, je dis merci au Burkina. Après, c'est toute l'Afrique, c'est la canne de l'hospitalité. Je suis venu aussi pour participer à cette fête et de montrer que... Merci beaucoup, Cissé Ibrahim. On a été très, très heureux d'être avec vous. Vous êtes ancien footballeur et coiffeur professionnel de stars du foot et de la chanson. Vous êtes le coiffeur attitré personnel de l'équipe nationale du Burkina Faso. Merci d'être venu sur notre plateau nous partager votre histoire. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a même un festival de la coiffure et de l'artisanat le 26-27 janvier 2024 au terrain Israël d'Abobo. Voilà. C'est pas votre ancien quartier? En guest star, pardon. Notre émission est terminée. Voilà, notre émission est terminée. On se retrouve donc demain. Rassurez-vous, le même sujet de la billetterie reviendra.
Et on attendra également vos points de vue. Merci, on se retrouve demain. Les programmes continuent sur l'AFTV. Bonsoir, merci beaucoup Daouda Herman. Bonsoir. Bonsoir.